Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, on ouvre les cadeaux. Voilà, bon d'accord, j'ai cédé, je vous l'accorde, je cède à votre demande, hein, même si à la base, je ne voulais pas trop. Donc voilà, les cadeaux des personnes blondes, puisque vous allez voir qu'il y a énormément de personnes blondes, donc en vrai, énormément de cadeaux dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire quand même. Et bah écoutez, c'est parti, on va ouvrir les cadeaux des personnes blondes. Donc on prendra pas de châtain, on va prendre vraiment le blond hein, puisque déjà ça fait beaucoup de cadeaux à ouvrir hein. Si en plus on élargit la catégorie, ça va pas le faire. Enfin bon, au moins il y a beaucoup de gens qui seront contentes, puisque bon, j'espère quand même qu'il y aura des blonds aussi au masculin. Mais qui seront contents parce que du coup ça fait pas mal de cadeaux. C'est vrai que je pense que ce sera une vidéo j'ouvre vos cadeaux qui ouvrira le plus de cadeaux de toutes, je crois, de toutes les vidéos j'ouvre vos cadeaux. Voilà, alors comme ça c'est dit, mais bon, c'est pas bien grave. Moi j'aime bien aussi ouvrir les cadeaux. Oh, j'adore cette coupe, j'adore aussi ouvrir les cadeaux, donc ça me dérange pas. Alors, on va considérer ça comme si c'était du roux, plus du roux que du blond, donc on va pas l'ouvrir. Oh, des lettres d'user. Et on va ouvrir vraiment les personnes blondes. Voilà, donc pas roux, pas châtain, mais blond. Et comme d'habitude, on porte tous les cadeaux pour changer le look. J'allais dire le look de la loi, mais cette fois-ci, c'est mon look de base. Donc, celui que vous avez vu au début de la vidéo, à quoi je ressemblais, le look un peu ange-démon, vous pouvez le racheter dans mes looks. En fait, je l'ai créé, ce look. Il me semble que la robe, on m'avait dit en live que c'était la robe qui valait des diamants, donc voilà, c'est pas gratuit, on va dire. Après, la robe, elle fait très robe de mariée, donc elle peut toujours être utilisée pour des occasions comme un mariage, hein. La fille qui essaye de vendre son look quand même. Mais ouais, effectivement, mais après, la robe, elle est magnifique. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup robe de mariée, quoi. En gros, en dehors du look ange ou mariage, je la porterai pas vraiment. Mais elle est belle quand même, donc bon, je me suis dit, allez, on craque. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux, merci beaucoup à vous, c'est super gentil. Comme d'habitude, moi après, les cadeaux que j'ai en double, en triple, etc., je les redonne derrière. Les cadeaux que je sais que je ne vais pas porter également, je les redonne. Ah, en vrai, la robe là, elle va trop bien avec le... Je sais pas comment on appelle ça, la sorte de cape en moumoute blanche. Franchement, la robe, elle va bien avec. Par contre, ça fait bizarre avec l'animation. En fait, ça bouge ici, mais la cape, elle reste derrière. Ça fait trop chelou. Bref, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas, les deux vont super bien ensemble. Bon, j'avoue, il y a juste la coupe et les chaussures qui sont un peu dégueulasses. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour les cadeaux. On va voir le look final, hein, parce qu'on n'est pas encore arrivé au look final. On a encore pas mal de cadeaux à ouvrir. Comme vous voyez, il y a beaucoup de personnes blondes encore sur cette page. Donc, j'ouvre au moins quelques cadeaux par page. Je crois que depuis le début, il n'y a pas une seule page où je n'ai pas ouvert de cadeaux. Toujours des personnes blondes sur toutes les pages jusque maintenant. Bon, on est encore au début, donc on peut encore voir. On verra bien. Là, j'ai vraiment un look un peu spécial, hein, quand même. Hein. Bon, ça va. Franchement, la coupe-là, elle va bien avec les cornes. Je trouve qu'elle va super bien avec les cornes. Pas sûr que les cornes resteront jusqu'à la fin de la vidéo, ça on verra ça ensemble. Ouais, ça commence à devenir un petit peu chelou le look là. Je dis rien. Mais ça peut être encore pire. De toute façon, on peut toujours faire pire. Mais voilà. Ah, des états d'user. Les calottes des états d'user. Par contre, ce haut là avec le capuchon, ça va pas du tout avec les cornes. Ça, je pense que tout le monde peut valider que ça va pas du tout. Le jeans, par contre, je valide le jeans. Avec les ailes, ça rend super bien. Ça repart vers mon look de base assez ange, assez blanc. Ah, on n'a plus la cape sur les épaules, mais avec le pull, ça le fait genre trop bas. Mais en soi, la veste et le jeans, ils sont sympas. Ah, là, je valide. Là, le look, je valide. Bon, il y a juste les chaussures que je ne valide pas. Mais là, clairement, le haut avec la veste en jeans et le jeans blanc, franchement, c'est beau. Et franchement, là, ça le fait, hein. Et ça passe. Franchement, il y a juste à changer les chaussures et puis on est d'accord. Après, on sera d'accord, ok. On sera d'accord seulement après. Pour le moment, on est... Voilà. Mais non, franchement, si. Non, ça passe. C'est juste les chaussures. En plus, elle a un pied qui part complètement en cacahuète avant que je change de chaussures. Regardez, ici, le lacet, il est ici.
Et là, vu que mon pied il tourne, pouf, elle s'est cassée la cheville, mais c'est pas grave, tout va bien. Peut-être qu'avec ces chaussures-là, ça le fera mieux. Non, avec ces chaussures-là, clairement, l'animation, c'est beaucoup mieux. En soi, ça va, puisque vu qu'elle a un make-up assez sombre, les chaussures, ça va. J'allais dire que les chaussures trop sombres par rapport au look, mais c'est quand même assorti à son visage, donc ça va en fait. Ça, c'est quoi? Neon gum. Ok, c'est un chewing gum. C'est un chewing gum. Oh non. T'es sérieuse, Constance, avec tes cadeaux flashy là? En vrai, cette coupe, hein, je suis désolée, hein, mais cette coupe, elle est horrible. Hein. Oh, elle est horrible. En plus, la couleur, ça aide pas, quoi. En plus d'être moche, la coupe... En plus, après, c'est chacun ses goûts, hein, bien sûr, mais en plus d'être moche, la couleur, elle est vraiment pas ouf. Hein. En soi, j'adore le rose, vous savez que je kiffe le rose, mais là, le rose flash comme ça, sur cette tenue et tout, genre, ça va pas du tout. Ah, j'adore par contre ce haut-là. Ce top, je l'aime beaucoup. Il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps, le top noir, mais... Bon, il faut vraiment qu'il y ait une coupe dans les prochains cadeaux, parce que là, ça va pas. Hein. Il me faut une coupe, c'est horrible. Ouais, bon, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Avec les cornes, ça va pas, mais c'est déjà mieux qu'avant. Je préfère déjà avoir un bonnet avec des cornes que la coupe rose flashy de tout à l'heure. Hein. Ici, nous avons un short. Vous voyez, on ouvre tellement de cadeaux. C'est pour ça qu'au début, je vous avais dit que je ne voulais pas faire « J'ouvre vos cadeaux des personnes blondes ». Puisque justement, ça ferait trop de cadeaux à ouvrir. Et il n'y aurait plus vraiment de challenge. Parce qu'en fait, le but des jouer vos cadeaux, c'est un petit peu de rechercher, de trouver les cadeaux qui correspondent aux critères. Là, clairement, c'est super facile à trouver. Il y en a tellement. C'est pour ça. Mais je me suis dit, bon, on va en faire au moins une comme ça. Pour que les personnes qui voulaient... Ah bah regardez, tiens, la première page où on n'ouvre pas de cadeaux. Voilà, vous avez été nombreux à me demander de faire j'ouvre les cadeaux des personnes blondes. Je pense que du coup, pour compenser et ne pas laisser de côté les personnes brunes, on fera un j'ouvre vos cadeaux des personnes brunes également. Et les rousses, on les a déjà fait. Donc dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises, mais il me semble que les personnes rousses, on a déjà fait. Je suis presque sûre à 99% qu'on l'a fait. Ouais, ça doit être ça, hein, on a dû le faire. À moins que c'était les cadeaux orange, mais il me semble que c'était... non, les personnes rousses. Bon, là, on va... Ouais. On va dire que c'est blond, même si c'est plutôt rose. Mais bon. Alors, ici, nous avons un garçon blond. Hein, le premier garçon, d'ailleurs. Et ça fait un chewing-gum. Un chewing-gum. Ici, nous avons encore des blondes. Et on va... Oh, ils sont sympas ces chaussures. Non, le look, franchement, ça passe. Le look, il passe. Là, c'est encore mieux avec ce collier. C'est peut-être juste la fleur dans les cheveux et le chewing-gum qui me dérange un petit peu. Mais sinon, le reste, ça va. C'est juste, en fait, la couleur de la fleur qui ne correspond pas trop au look. Et le chewing-gum bleu foncé, il est un peu trop voyant à mon goût par rapport au look. Mais sinon, ça va. Franchement, le reste, le short, ça passe. Le haut, ça passe. Le collier... Oh non. Sérieusement? Sérieusement, je vais mettre ça? Non, Chloé, t'es sérieuse. C'est quoi, ça? Attendez. Si ça... Ah non, ça le remplace. J'aurais dû garder le truc de la banane. Je pensais que ça allait en dessous du truc de la banane, que la banane était considérée comme un chapeau, la catégorie chapeau, alors que pas du tout. En tout cas, très beau look banane, j'adore, je valide, merci beaucoup Chloé, on adore. Je pense que j'essaierai de faire la SJPense, faire la miniature avec le look banane. Enfin, juste que je retrouve parmi toutes mes affaires maintenant, hein, ça va être compliqué, mais on va essayer de le retrouver. Moi j'ai trouvé ça super sympa ce look. D'ailleurs tiens, si je mettais un look banane... Les gens ils me demanderaient, oh elle se fait pirater, elle a un look banane. Ah là là. Mais look banane, il n'y a pas des chaussures banane. Ouvre les cadeaux violets s'il te plaît. Mais c'est même pas du violet, c'est du rose. Non, on l'a déjà fait je crois, les cadeaux violets. Allez, on ouvre les 5 cadeaux sur les 6 sur cette page. Oh, trop belle la robe. Trop belle. J'aurais peut-être pas choisir les couleurs là, mais elle est trop belle en soi la robe. On va peut-être faire un truc dans les tons un peu roses. Ah voilà, cette couronne de fleurs est magnifique. Elle est très très belle. Et on va aller voir les prochains cadeaux. Non, franchement, la couronne de fleurs, là, elle est trop belle. Enfin, j'adore les couleurs. Ça fait un sort de pâle, vraiment très très pâle. Et j'adore.
J'adore, j'adore. Ah, elle m'a offert. Bah, peut-être qu'elle m'a offert un haut aussi pour faire un sort de complet. Ouais, c'est bien le haut. Franchement, j'accepte créer mon. Je ne sais pas quoi, peut-être mon compte. Non, j'accepte créer mon. Je sais pas. Et je pense qu'il me manque un bout de phrase, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes cadeaux. Franchement, ça fait un très beau complet. Heureusement que j'ai décidé de faire les couleurs de cheveux de la personne et pas de la couleur des cadeaux, parce que genre si j'aurais fait les couleurs vert, j'aurais ouvert qu'un seul cadeau sur les trois, et j'aurais fait rose, j'en aurais ouvert que deux sur les trois, et je n'aurais pas eu le total look de j'accepte. Mais là franchement il est super beau, regardez. Bah, en fait c'est typiquement le genre de couleur que j'adore, genre pastel mais très pâle en fait, pastel pâle, pâle pastel. Bref, vous m'avez compris. Et j'ai envie de garder ce look avec cette coupe là, en plus ça va hein. franchement ça passe. Je pense qu'on va faire la dernière page parce que ça fait beaucoup beaucoup de cadeaux ouverts, ça va faire aussi beaucoup de cadeaux à offrir derrière. Le petit Rilakkuma, j'adore, c'est un petit ours, un petit ours pédobir. Non je déconne, c'est pas un pédobir, mais c'est un ours quand même, voilà. Bon, on va le porter, tant pis pour le look d'avant, mais merci beaucoup. J'adore en plus le petit ourson Rilakkuma, ça ne me dérange pas non plus de le garder, de le porter. Bon, le jean, il va pas du tout avec la robe, en plus là ça fait un petit bug graphique, c'est pas ouf. Oh, sympa, full party chic. La robe est très jolie aussi. Bon là on va pas pouvoir ouvrir le cadeau de la best d'Ishley et Mira, on va y arriver. Et dernier cadeau d'un garçon, du deuxième garçon là pour cette vidéo de Leandrox. En tout cas merci beaucoup à tout le monde pour les cadeaux. Ah non, oh non, tu m'as ruiné ma robe avec tes chaussures hein, Leandrox quand même hein. Bon bah écoutez, je vous remercie à tout le monde pour les cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à me donner des idées pour les prochains j'ouvre vos cadeaux, parce que je commence à être un petit peu quand même à court d'idées. Je dois toujours faire la playlist avec tous les jours de vos cadeaux pour que vous puissiez voir tous les jours de vos cadeaux qui ont déjà été faits, pour ne pas essayer de les refaire, parce que j'ai déjà fait 2-3 fois les mêmes. Hein. Bon après ça c'est pas bien grave non plus, puisque les cadeaux sont différents, ce ne seront jamais les mêmes cadeaux, même si on fait les mêmes jours de vos cadeaux. Hein. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour les cadeaux. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.